Tu vois, un gars sort de chez eux le matin. Il sait pas exactement pourquoi. Sans doute, c'est parce que dans ce vaste monde qui est policier, en fait, il désire des choses. C'est le désir qui nous tue. Puis, pour réaliser ces désirs-là, ben, il faut sortir de ces petites mythologies sécurisantes, de ces rituels d'enfance. Se battre. En vérité, je vous le dis. Le monde est né d'un vaste cliché. Et il retournera en cliché. Tu comprends? Je voulais juste voir du monde. Sentir leur coude. Leur frustration. Manger un peu de jello. J'aimais cette espèce d'asphyxie des grandes aventures collectives. Je serai donc comédien, c'est-à-dire objet d'un système, fonctionnaire de l'art, cascadeur de mythes et même interprète de cinéma. Tu peux même demander à tes petits amis de jouer aussi. Il y aura de quoi épater tous les autres camarades. Ça va être notre gang contre toutes les autres, avec nos inside jokes, notre système de protection. La vraie apologie du groupe. Guillaume. Hélène. Charles. Joanne. Micheline. Jacques. Jean-Pierre, ça va être une belle grande vue, à l'image de notre belle vie. Un simple petit jeu social nous permettra même de mieux nous retrouver. Le célibataire de Préville. L'autostop les a conduites au meurtre de Nassim. C'est pas de ça. D'accord. C'est bien, non? Cet enfant est ventré par un maniaque. Quel maniaque? À cette île, un meurtre chez les Indiens. John Regis a été assassiné près de cette île d'un coup de couteau dans la nuque. Par un autre Indien bien connu des policiers. Indien vaut mieux qu'à l'œil, celui-là. Voulez-vous savoir tout sur votre avenir? Gémeaux, 21 mai au 20 juin. Sur l'astrologie, c'est fini, ça. C'est dépassé. T'es pas assez de mode de continuer à faire ça. C'est la numérologie maintenant. En as-tu déjà entendu parler? Pas plus que ça. Pas tellement compliqué. Explique. Bah, si ça t'intéresse. Ça m'intéresse un peu. Ouais. C'est mieux que l'astrologie. Bon, c'est pas compliqué, je te jure. Alors là, tu prends un nom. Par exemple, Philippe. Bon, t'attribues à chacune des lettres un chiffre. Bon, ce chiffre-là correspond à son rang dans l'alphabet. Bon, tu me suis jusqu'à là? Oui. Oui? Bon. Alors, Moi, on jouera pas. L'astrologie, c'est pas meilleur que ça. Oh, ça, c'est pas. Je vais demander qu'à tu vois. Tu as arrêté ça, c'est fini, là. Retrouver Guillaume. J'ai longtemps cherché quelqu'un.
Vous voulez encore idéaliser des gens. En vérité, l'histoire ne comporte que deux personnages, Joanne et Guillaume. Le narrateur n'étant qu'une projection, qu'un double de Guillaume. Tu verras, Joanne, tu sortiras de ta solitude. Non, tiens, là, Hélène qui arrive, on s'en va. Hey, la dragueuse, c'est la tata. Oui. Premièrement, la troupe, moi, je crois pas. Ça c'est une chose. Mais il y a une chose que je crois, c'est une reprise du lien qui existait entre toi et Guillaume. Ça je suis sûr que ça peut continuer. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de te faire remémorer ça. La troupe, moi, juste pour les... J'ai compris. Il aime ça, continuer à s'illusionner à ce sujet-là. Alors, moi, ça me fait plaisir de les amuser un peu. Mais, je veux pas que tu t'en fasses à ce propos-là, parce que c'était dans un but... très généreux de ma part, je pense. Okay. Parce que ça m'achale depuis ce matin que je vais te le dire. Faut pas que tu sois mal pour ça. C'est correct. Mais tu peux rester chez vous. Pas sortir. Pas désirer. Faire le masque impénétrable. Non. Casse la gueule d'une autre façon. T'as bien fait partir, Arthur Rimbaud. On peut pas au sortir de l'enfance indéfiniment étrangler son prochain. T'as bien fait partir. Nous sommes quelques-uns à croire sans preuve le bonheur possible avec toi. Je peux rarement voir quelqu'un sur le battre. D'autres préfèrent le monologue intérieur. Moi, non. J'aime mieux battre. Il y a des gens qui s'assoient en face de moi au restaurant, ils ne disent rien. Il reste un certain temps car ils ont décidé de manger. En voici un. Je te la grippe, toc. Je te la régrippe, toc. Je le prends en porte-manteau, je le décroche, je le repends, je le redécroche, je le mets sur la table, je le tasse, il l'étouffe, je le salis, je l'inonde, il revit. Je le rince, je l'étire, je commence à m'énerver, il faut en finir. Je le masse, je le serre, je le résume et l'introduis dans mon verre et jette ostensiblement le contenu par terre et dis au garçon, « Mettez-moi donc un verre plus propre. » Mais je me sens mal. Je règle promptement l'addition et je m'en vais.
défends. Tu te mets une carapace. Ça devient un petit jeu. Un jeu où tu manipules tes désirs comme des balles de ping-pong. Tu penses toujours aux mêmes affaires, au même monde. Livré à toi tout seul, ou rêverie d'un gars qui a chienne pis qui peut pas se l'avouer. L'avouer changera rien de toute façon. Dans le fond, c'est là que tu désires le plus. Mais ton fameux réflexe vital s'impose tout le temps. Mais moi, vois-tu, je serais pas victime d'un système. Au moins, je vais essayer de le fuir. Au bout de ta fuite, tu retrouves les mêmes maudites affaires. Une fois que tu te dis que t'as eu le courage de tes convictions, t'as poussé tellement à bout le rituel de ta solitude, de tes frustrations, t'as le goût de sortir. Pour n'importe quoi. So what? Tu fonces. T'as le goût de manger, t'as faim, t'as tout simplement faim. T'esquisses un geste dans le monde redevenu réel. T'en vas de là avec ça, là. Tu te rendras jamais au bout. T'es bien mieux de prendre un buggy. Tu vas te mettre. Ben oui, tiens, mets-toi ça dedans. Là. Ben, ça va mieux, là. Mais t'as-tu fini déjà? Bon, ah, ouais, je vais t'aider. Ça arrivera pas, ton affaire, là. T'as deux petites boîtes, t'as deux gros paquets. Tu vas être trop de pâte ou pas assez de jus, pas assez de sauce. Bah, bon, je suis là, pas. On va aller. Pourquoi tu prends ça? T'es-tu au régime? C'est du lait pas de gras, ça. Oh, que t'as pas l'air habitué. Viens avec moi, on va t'échanger ça. Va les faire marcher, pareil. Yes. Ah ouais, moi t'as aidé. Tiens, pas de ça, là, on va te l'échanger. Viens-t'en. T'auras pas besoin de crème à barbe? Quelque chose qui manque, non? Es-tu à pied ou. Non, je suis mon bicycle. Attends ton bicycle. On va t'envoyer quelqu'un pour t'aider d'abord, là. C'est comme si tu retournais dans le village où t'es né. Parce que t'as changé, le monde te reconnaît plus. Il te regarde étrangement. Stranger in the store. À la fin, ils te disent... Ah, oh, t'es le fils de l'autre. Puis toi, tu veux tellement leur parler, tu dis... OK, je suis le fils de l'autre. Tu leur parles de ton père qui est mort. Et Mélanie, t'es tanné de continuer de parler de toi comme d'un mort. Le fils de l'autre. Tu sais que c'est seulement comme ça que le monde va t'accepter. Que toi, tu vas pouvoir y vivre. Tu te prends en main. Tu te ramasses. Il n'y a pas d'autre solution. Tu fais une sortie propre dans le monde extérieur. Il y a toujours la peur de la solitude. C'est ça que tu fuis le plus. Tu essaies de te convaincre de ses vertus, mais tu y arrives pas. Ou tu y arrives seulement le soir au moment où tu t'appartiens plus. Au moment où tu te livres à tes rêves, tes petits camarades prennent l'allure d'un dessin animé. En fait, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de dessin animé pour adultes. So you forget the whole damn thing. Je serai comédien. Donc, je pourrais établir une relation de jeu avec moi-même. L'ultime exorcisme du jeu.
suis retiré de mon petit Moyen-Âge. J'oublierai qu'un pays est à l'image de ses possessions ou de sa dépossession. Je posséderai mes rêves. L'histoire, en vérité, ne comporte que deux personnages, Joanne et Guillaume. Le narrateur n'étant qu'une projection, qu'un double de Guillaume. La femme attendait l'amant, mais l'amant étant resté avec son frère, la femme attendait inutilement. C'est que dans ce pays existait avant l'amour l'honneur de la fraternité virile. C'est cette relation que Guillaume entretenait avec son frère et elle devait passer bien avant son amour. On dit néanmoins que c'est le frère qui aida les amants à s'enfuir. À la fin, c'était presque comme un bon vieux triangle au théâtre. Le frère, c'est-à-dire l'amant inavoué, regardait le couple s'éloigner furtivement dans la nuit. Qui appartient à cette mystérieuse Mustang? Le char du Nord-Américain idéal. Tout le monde en achète. Hélène, vedette de cinéma, engagée socialement, une vraie dragueuse. Joanne, oh, professeure de philo, licenciée en sciences médiévales. Elle a vraiment un kick, sa Mustang. Charles, néo-canadien de première génération. Il peut s'en acheter une avec son salaire de boss boy, et cela en empruntant pas inutilement. Jacques, un des gars les plus in en ville. Ah, puis J.P. Tremblay, jeune écrivain de chez nous, plein de talent. Hockeyeur à 16 heures. Même Joey d'en acheter une pour son gars, pour qu'il se promène sur la Sunset Street. Vraiment, tout le monde a une Mustang. General Motors, which is one of the largest companies in the world, what am I saying? It's the largest, even took scare. Yes, man. C'est pas surprenant avec la garantie de 2 ans de 24 000 milles. Avec ça, tu peux aller 50 fois au Dodger, 39 fois à Atlantic City, 32 fois à Wildwood, 13 fois à Miami. Il va sans dire que si jamais toi, toi, mon ami, tu vas aller te perfectionner aux États-Unis, devenir ce que tu es vraiment en quelque sorte, voire même devenir plus que toi-même, devenir citoyen américain, tu pourras en acheter une là-bas pour moins de 3000 $. Jackson, pas de problème. Ferme ta gueule, t'es OK, là, t'as lancé. Ça, ça va être la zone des prix. Le baseball est le sport national des Américains. Je retrouve ma forme d'antan. Un vétéran qui retourne à l'enfance. Ça fait rien courant du premier but, là. Attention à toi, hein. J'y surveille. Il n'y en a jamais un qui a réussi à m'avoir. Tous ces après-midi d'été.
Ah, me voulant encore à ressasser des vieux clichés. C'était gaspillé. C'était innocent. Maudite gang de cave. Montréal est la première ville étrangère à posséder une équipe dans les circuits majeurs américains. Dans mon jeune temps, d'abord, je me souviens bien, il faut appuyer jointure sur la balle comme ça. Comme la fois que j'avais retiré. Comment qu'il s'appelait déjà, non? Mais comment il s'appelait? Je m'en souviens même plus. Des gens comme Rusty Stubb d'Abilene, Texas et Mac Jones d'Atlanta, Georgie sont entrés dans notre mythologie québécoise. Autant que Maurice Richard, Tollard des Ormes, Marguerite Bourgeois, les Patriotes de 37, Maurice Duplessis. Encore à Gaudi. De toute façon, je te mets hier au champ intérieur. Les grandes vedettes de ce sport sont en général des Noirs. Des gens comme Willie Mays, Bob Gibson, Hank Aaron. Mays, Gibson et Aaron ne font pas partie du Black Power. Ils connaissent pas James Baldwin. Puis James Baldwin, probablement, il se souvient même plus d'eux. Ils encaissent annuellement des salaires presque aussi élevés que Sidney Poitier. À Montréal, l'équipe appartient à un dénommé Charles Bruffman, un important actionnaire de la métro Goldwyn-Mayer. Tu te souviens de ça, hein? C'est une lance. Très, très loin, c'est une prise. Karen frappe. Et c'est un attrapé sensationnel de Willie Mays! Pas mal bon, Mays. If you can fight them, Marlon, join them. Momentanément notre long métrage pour vous faire parvenir un message spécial. Atlanta. John Wayne a reçu un accueil triomphal lors de sa visite au congrès du Ku Klux Klan à Atlanta. La célèbre vedette du cinéma en a alors profité pour rappeler l'utilité d'organismes comme le KKK et la John Birch Society, mouvement d'extrême droite dont il est d'ailleurs un membre avoué, dans l'Amérique de 1969.
Le réalisateur des Green Berets a parlé de ces organismes comme des lumières rouges qui doivent éloigner les États-Unis du sentier anarchique dans lequel ils s'acheminent depuis quelque temps. What a hell of a joke that is. Well, gang, you've got to do it the Alamo way. Come on, boy. Hey, come on. On a fence. Come on. Okay, you boy here. Come on, ma'am. Oh, you there. The American way! There! Rah! You dare! Rah! You dare! Rah! You dare! You dare! Rah! You dare! Rah! You dare! Rah! You dare! Rah! There! Rah! You dare, man! Well, me there! Comes your hero, ma'am. Just keep it cool. Le hockey est le sport national du Canada. 12 équipes peuvent former son plus important circuit. Les Blackhawks de Chicago, les Red Wings de Detroit, les Seals d'Oakland, les Bruins de Boston, les Penguins de Pittsburgh, les North Stars de Minnesota, les Flyers de Philadelphia, les Kings de Los Angeles, les Rangers de New York, les Blues de St. Louis. Et en fin de compte, deux clubs de Canadiens, Toronto et Montréal. Le désir de chaque jeune Canadien est de jouer à New York, à Oakland ou à Montréal. Tu sais que j'ai déjà voulu ça. Oh boy. C'est le cas de Steve Ladouceur, Rouen-Québec. Jeune vedette dans les Blackhawks. Quand j'étais jeune, Poupon me disait: ça fait 20 ans que je travaille en dessous de la terre à Nevada Mines. Puis je veux te donner toutes les chances pour réussir dans le sport. Puis il ménageait pas sur le sirop BI et ses wetties. Hein. Puis toute la stuff qu'un gars a besoin pour réussir dans le sport. Puis quand le coach m'a dit, là, watch quoi bien, Steve, on peut te caler n'importe quand pour le grand club. Ah ben là, j'étais pas mal sur le stress. Quand je suis arrivé sur la glace du stadium, là, c'était comme si j'entendais mon père qui me disait: come on, Steve, go, Steve. Puis là, moi, je voyais rien qu'une chose, c'était le puck.
mettre le puck dans le net. Puis quand j'ai scoré, là, j'étais pas mal content pour Popo. Joanne allait revoir Guillaume. Tout le monde se retrouvait dans le vaste domaine qu'il gardait. À tout prix, leur relation devait reprendre. C'était comme si le salut de la gang en dépendait. En bon mythomane, j'ai complété leur reprise. Comme un adolescent qui veut retrouver tous ses amis d'enfance pour un dernier grand coup. Salut Philippe. Mon cher Jean-Pierre, je ne reviens pas de la guerre, mais je reviens de loin. Et je vous attends depuis longtemps. Ok, ok. Ouh. Que diable cette poussière sur votre veston? Mais vous vous négligez, mon ami. Arrête ça, ouais, Guillaume. Oh, Guillaume, Guillaume. Ne vous laissez pas impressionner par mon uniforme. Je suis ici quand même chez moi. T'es pas fatigué de jouer? Tu joues depuis le matin. Arrête de niaiser, maudit. Ouais, mon vieux, t'es fatigué. C'est peut-être pathétique, mais t'es stupide à la fin. Y'a plus moyen de faire des farces. Jean-Pierre avait des projets trop adultes. Il a raison, mais il comprend pas. Comprendre qu'on est trop vulnérable pour se battre, que tout le monde cherche un refuge. On a beau sortir dans le monde réel, on revient toujours chez soi, à un manoir. Pourquoi Don Quichotte, Sancho, puis le manoir, puis le moulin, ils seraient pas du même bord? Je sais, Jacques. Je sais que tu m'en veux t'avoir amené ici aujourd'hui. Je sais pas si tu peux comprendre, mais c'est important pour moi que tu rencontres ces gens-là. Ils ont joué un rôle assez important dans ma vie. Ça demeure un bon souvenir, même si aujourd'hui mes centres d'intérêt ont changé. Quand Jean-Pierre m'a appelé, j'avais l'impression que Joanne et Guillaume seraient peut-être les premiers à retrouver ce nouveau Graal comme un grand terrain vague. Quand t'es parti, on avait tous quitté une campagne, une enfance lointaine. Puis une fois arrivés dans cet âge différent, on a longtemps cherché un terrain vague pour trouver tout ça. Comme un point de retour, de rendez-vous. Je savais pas où j'étais rendue. Tiens, c'est comme tu m'appelles que je me suis décidée. Moi, j'avais presque peur de te revoir. J'imaginais des circonstances, puis je voyais à peu près comment je pouvais t'aborder dans ces circonstances-là. Aujourd'hui, ben, je m'en souviens plus. Quel droit me reste-t-il sinon celui d'être moi-même chez moi? Ah, que je suis triste de vous accueillir à cette fête sans vous aider à revivre toutes ces fêtes d'antan. Je sais, la guerre et beaucoup d'autres mots ont amené la déchéance de mon domaine. À quoi sert alors ce promontoire quand il ne dévoile que des terres stériles, que des vassaux passifs? Et vous, ma châtelaine? Qui reprisez de vos doigts délicats cette dernière robe. Je vous avais pourtant promis un tout autre sort.
Voyez, je tolère même que le braconnier pêche dans les temps si doux et si purs, où jadis j'admirais le miroitement de mes ormes majestueux. Là, ah, Héloïse, mon château vous a naguère servi de refuge. C'est à moi maintenant de vous demander refuge. Attention, je vais embarquer. Je sais, mon écuyer, vous n'avez plus de cheval. Je vous permets de m'accompagner sur cette dernière monture, ne serait-ce que parce qu'elle cédera bientôt. Voyez, j'accepte même que les touristes de notre âge viennent visiter les trésors, voire même les vestiges de mon château. Bon, il est mal. Et je vous quitte pour aller un dernier instant. Regardez la nuit qui descend sur mon royaume. On va redevenir prolétaire. Je pense que je devrais aller leur parler. Les miroirs devaient réfléchir davantage avant de renvoyer leur image. Dire que c'est en se rasant le matin qu'on peut avoir un dernier instant de réflexion. Si ton cadran général électrique ne marche pas, ben, tu t'en passes. À moins que tu compenses par un minute breakfast de General Food ou par un de ces nouveaux cafés séchés à froid. Ils font tout pour nous sécuriser. Ils sont tous à la veille de nous avoir. Si t'avais le doigté classique, t'aurais beaucoup plus de facilité à jouer. Ça, je peux te montrer ça en 5 minutes. Ça.
Mais ça te dérange comme ça? Non, non, mais je te fais ça pour te rendre service. Parce que... T'as rien à faire, là? Non, j'ai rien à faire. Je te regarde. T'entends pas à faire un tour de bicycle au village? Ou bien... Écoute, Jacques, c'est fini, ça, le bicycle. Le châtelain, le braconnier, là, pis toute la... toute cette affaire-là, là, c'est fini. Oui? Là, maintenant, c'est Jacques pis moi. Hum. Et puis, je sais, là, ça. Pas le rapport. Pourquoi est-ce que ça change mon affaire? Je peux te montrer un peu ce que je l'ai dit. Tu fais ça comme ça. Là. Tu mets tes doigts comme ça. Puis... Sac ton camp. Is that clear? OK, OK. Monsieur veut jouer du piano, ben joue-en matin, midi, soir, tous les jours. Ben, ben. C'est ça. Salut. À la première claque, tu t'aperçois que le monde, ils sont plus pareils. Ils sont tous éparpillés. Leurs désirs ont changé. La fraternité virile n'existe plus. Il suffit de se le dire pour peut-être se retrouver différemment. Ce que tu viens de dire à propos de l'enrichissement que ça nous a apporté, ça reste vrai même encore aujourd'hui, bien sûr. C'est même émouvant parfois de se rappeler des bons moments qu'on a eus ensemble. Mais juste s'en rappeler, vois-tu, c'est ça. Parce que c'est vrai... C'est vrai, puis ça l'est plus. Je sais qu'un souvenir, c'est pas suffisant pour trouver un point de rendez-vous. Mais tout seul, on se bat dans le jello. Tu comprends, je refuse rien de ce qu'on a pu faire. L'enfance, le petit pop, les actions. Les fantaisies communes. C'est vrai, c'était merveilleusement gratuit. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'est plus capable de faire ça. Non, je refuse de rien. Sans vivre dans le passé, on peut faire autre chose. Avec notre passé pour guide, on se devrait d'être lucide. La 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 la.
C'est vrai. Ça l'est plus. Pourquoi en arriver là? Puis après, nothing. Ou plutôt, je veux pas le savoir. On est tous pognés. Eux autres comme moi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Forget it. Tu trouves pas que c'est un peu discontinu? C'est comme dans le manoir tantôt. J'avais la même impression. Je le sais pas. Je me suis jamais posé la question. En dormant, bien, je sentais juste que ça se meublait, tu sais, que je restais en vie. C'est comme quand tu rêves, tu sais. Ça se meuble, ça se vide, puis... Il me semble que c'est l'autre côté, à ce moment-là, qui se remplit. Dans le fond, tu comprends peut-être pas, mais... C'était peut-être une façon un peu simpliste de ma part de pas me sentir complètement déboussolé le matin, quand je me lève. Laisse-moi donc braconner tout seul. Mais je dirais rien, là. Je me tais, je sais plus rien, je te regarde. Quand ça s'en vient, là, moi, ta place, je te la prendrai. Attention! Elle s'en vient! Ah, oh, sac ton camp! Quand on revient sur toute l'affaire, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même autre chose que des rapports de jeu, de façade, de comédie entre nous autres. Comment est-ce alors qu'on a pu arriver à une telle impasse? Mais il n'est pas dit qu'on est bien seul dans un no man's land comme le domaine. Moi, je deviendrais un invertébré, une grenouille qui flippe à force de jouer en rond. Je pourrais peut-être jouer avec des choses dangereuses. Non pas poser des bombes, mais rien faire. Non pas la contestation globale, mais me promener dans ma moelle épinière, puisque j'ai plus de colonne vertébrale. Je vais jouer un tour à la société. Je vais devenir assisté social dans un grand psychodrame où je serai pas tout seul. C'est pas dangereux, je t'assure. Tout ça est contenu et permis dans la Charte des droits de l'homme. Capable. À un moment donné, j'ai essayé de t'écrire, puis... Je me suis rendu compte que j'en étais pas capable. Toi, qu'est-ce que t'as fait depuis? Moi,
J'ai quitté la maternelle, j'étais plus capable d'y retourner. Je cherchais un autre travail, un autre milieu pour me stimuler. Mais... je t'avoue que la plupart du temps, je me suis bien ennuyée. La gang marche plus. Joanne pis Guillaume, ils sont comme tout le monde. Il n'y a pas un maudit qui serait capable de jouer à Bélard et Héloïse, puis à Roméo et Juliette. C'est vraiment l'adieu de l'aventure collective. Moi, j'ai débité mon petit boniment. J'ai été emballé, déballé, remballé. Le manoir, le domaine, ils n'ont rien de médiéval. La province a produit pas d'effet de fuite, de voyage, d'évasion. J'étais donc parti sur toute une balloune. Mais là, je vais arrêter de raconter des histoires. Parce que je pourrais pas te dire ça sans être aigri. Je t'ai dit que ce serait cave. Il y en a d'autres qui vont dire que ça a été correct. C'est parce qu'ils sont bons, eux autres. Moi, je suis de l'autre bord. Qu'est-ce que tu penses qu'on va pouvoir faire maintenant? Ensemble, avec le groupe? Je sais vraiment pas. Avant de savoir ce qu'on va faire, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on désire. Moi, je le sais pas. Tout ce que je sais, là, actuellement, c'est que je peux juste bouger un peu, tu comprends? Je pense que même, au fond, j'aimerais bien sacrer mon camp d'ici. Je peux pas rester ici. Je veux plus, ça me tente même pas au Québec. C'est drôle, parce que... quand on est venu ici aujourd'hui, j'avais l'impression qu'on faisait le contraire. Toi, Hélène, Philippe, Jean-Pierre, et même Jacques. Ça fait un bout de temps qu'ils luttent, qu'ils se battent pour des choses auxquelles ils croient, puis... je pense qu'ils sont bien fatigués de se battre. Ils n'ont pas de solution. Je pense qu'on essayait de fuir quelque chose. Pour venir voir si toi, t'avais une solution. Les gens peuvent même pas se parler. On a l'air d'une bande de pseudo-romantiques. On chevalait un paquet de choses en arrière nous. On n'est même pas capable de se souvenir exactement ce qui s'est passé. Au moins, dans la pièce, on disait ce qu'on voulait pas. On disait ce qu'on voulait pas dans notre Québec. Donc, plutôt que les critiques par rapport à des valeurs qui sont périmées, on descend. On ne permet même pas de le dire. À qui on s'est adressé, nous, avec cette pièce-là? À une bande d'inconscients. Pour les gens du village, là, ben les Américains, c'est les gens qui leur voient leur lac à truite. Imagine-toi. Ça se limite à ça. Quelle différence y a entre ce village-là et une bâtarde de ville américaine? Il n'y en a pas. Les gens veulent toutes la même chose. Floride, vacances à Old Orchard, baseball, popcorn. Ben moi, je veux pas crever dans ce bâtardise-là. C'est bien de valeur. Tu vois, au fond, je m'en fous.
c'est le désir qui nous tue. Et on y revient de toute façon. On revient toujours aux mêmes êtres, aux mêmes mythes. Mais chaque claque nous enlève un peu de souffle, un peu de sang. On revient, mais à chaque claque, on idéalise moins. Puis pour compenser, on se pitche dans des nouveaux mythes. Cher toi, j'ai peut-être pu te parler de l'absence d'une femme, du moins je le voulais. Encore une fois, j'ai sans doute pris mes désirs pour des réalités. Aujourd'hui, pourtant, mes désirs et la réalité se confondent. Elle est là. Elle vit. Je ne peux rien dire de sa présence. Je peux même pas t'en parler. Je ne désire rien d'autre. J'ai très peur parce que c'est vraiment trop merveilleux. Elle saura me rassurer. J'espère. Comme d'habitude, Aimé déjeuna beaucoup ce matin-là. Avant de partir, il embrassa sa femme qui lui réitéra son désir d'avoir un enfant. Étrange, se disait-il, cette phobie des femmes de toujours vouloir des enfants. En passant devant le panneau réclame d'une agence de voyage, il pensa qu'il leur serait peut-être agréable de voyager. Chaque jour, Aimé suivait le même parcours pour se rendre à son travail.
il allongeait néanmoins son itinéraire en s'arrêtant au terrain de golf tous les matins pour jouer son neutro. C'est pourquoi il déjeunait beaucoup. Et il savait bien, par ailleurs, que jouer au golf est une agréable façon de dissoudre ses fluides corporels. Quelquefois, il se sentait étourdi, et il était donc déchiré à chaque moment entre son étourdissement et la joie qu'allait lui procurer la cause de cet étourdissement, son neutrou quotidien. Ainsi, Aimé se voyait aux prises tous les jours avec le même dilemme. Il avait déjà entendu au théâtre que chaque être recelait en lui un drame. Et il se disait que son drame à lui, c'était de jouer, malgré le lever matinal, le déjeuner alourdissant, les étourdissements, l'itinéraire allongé, de jouer sa petite partie de golf. C'est pourquoi, rentrant le soir, il n'hésitait pas à se récompenser en témoignant des marques d'affection à sa femme. Il se trouvait une certaine force, une étonnante dignité à dépasser ses contradictions et à faire en sorte qu'elles n'influent pas sur d'autres. Aimé se disait que si chaque être tirait autant de joie qu'il s'en offre en jouant sa partie, il n'y aurait plus de tristesse sur terre. Il en vint même à se lever à la même heure ses jours de congé pour se rendre à son terrain de golf. Quelquefois, les étourdissements se produisirent plus souvent. Mais la présence du déjeuner, des fluides corporels, voire de son conflit moral, lui rappelèrent vite les avantages qu'il pourrait tirer de sa partie. Épuisé, il revenait chez lui, embrassait sa femme et déjeunait de nouveau pour prendre des forces. La première fois que l'incident se produisit, lors d'une journée de congé de Aimé, sa femme en fut tout étonnée. Habituellement, lorsqu'il ne se rendait pas au travail, il déjeunait normalement et dînait un peu plus tard. Les jours de congé étaient les seuls moments où il disposait de son temps et de ses repas un peu différemment. Sa femme fut profondément contrariée par cette nouvelle habitude de Aimé. Elle trouvait beaucoup de joie à préparer quelque chose de différent pour Aimé, le samedi et le dimanche. Chaque samedi et chaque dimanche, elle s'occupait intensivement à la cuisine. Aimé, quand il pensait à sa femme, se rappelait surtout cette image.
toute l'existence de sa femme se retrouvait ainsi bouleversée, car Aimé ne mangeait plus que des déjeuners. Toute sa semaine n'avait plus de sens. Elle ne savait que faire de son temps. À ces délicieux petits complots de cuisinière succédait une désespérance latente, un ennui qui chaque jour marquait plus profondément ses traits. Le samedi et le dimanche, quand Aimé revenait de sa promenade, elle ne se donnait même plus la peine de lui préparer un nouveau déjeuner. Quelquefois, elle le regardait fixement manger. Une fois même, elle le mit en garde contre l'excès d'amidon qui nuisait de plus en plus à son foie déjà malade. Aimé savait pourtant qu'une partie de golf aurait tout fait de faire disparaître ses malaises stomacaux. Aimé s'aperçut progressivement que le fait d'aller au golf se trouvait associé à son désir de déjeuner plusieurs fois. Ce petit rituel constituait néanmoins sa préoccupation fondamentale. Même que les voisins étaient bien étonnés de voir un homme qui faisait tant d'exercices engraissé à vue d'œil. Malgré les altercations de sa femme, Aimé, de plus en plus gros, poursuivait son rituel jusqu'à ce qu'un jour, un événement vint changer sa vie. Certains éléments de la ville, d'aucuns disent la minorité anglaise, soudainement épris de civisme, décidèrent d'acheter le terrain et d'y construire un centre de rassemblement pour clubs sociaux, organismes de jeunesse, de charité, de vieillesse. C'était, selon eux, un loisir beaucoup plus profitable et populaire que le golf, dont le terrain était si peu achalandé d'ailleurs. Toutes les démarches, toutes les pétitions d'Aimé ne purent faire avorter le projet. Il refusa toujours de se rendre au nouveau centre. On le considérait de plus en plus comme un fanatique et un raciste. Il changea même d'itinéraire pour se rendre à son travail, même s'il était raccourci. Aimé ne put jamais s'y habituer et s'y retrouver. C'était comme un labyrinthe encore plus étourdissant que son terrain de golf.
Un soir de tempête, quelque temps après, on croit qu'il fut victime d'un accident. Sa mort survint quelques jours avant la naissance de son fils. Même les gens, à la fin, le prenaient en pitié, car Aimé était devenu très maigre. Aujourd'hui, il est considéré comme un précurseur sacrifié dans les cercles indépendantistes et séparatistes de la ville. Aujourd'hui et demain arrêtés, il met au cœur une étrange présence d'un bleu d'été à l'autre comparé. Ma voix dirait absence et ce départ. Presque arrivé, ce long séjour à la fin de l'enfance, l'appellerai-je avant d'avoir nommé mon amour et ses danses. Je parle de mots taquins et tranquilles, je couve des yeux l'espace en retard et je mets au mur sale de la ville l'aventure prophète de nouveaux départs. Je parle toujours pour d'autres là-bas de l'ardente vague du vient et du va en moi. Je tourne la tête, la voix n'y est plus, mon oreille claque de bruits éperdus. Au bout de mes doigts, des choses connues s'abritent derrière des forts défendus par la longue minute, bigarrée vaguement, où tant se répercute le demain et l'avant. Entre aujourd'hui et demain arrêtés, mes bras tendus de demain à passer, me parle de silence démasqué sur une plaie immense. Et la peinture de cette vanité craque à la ligne du temps et je pense qu'après l'hier et avant le passé, racine la